Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le match d'ouverture de l'Euro Turquie-Italie. Et donc pour fêter le début de l'Euro, pour annoncer le début de l'Euro, j'avais moi aussi envie de faire une vidéo d'ouverture sur l'Euro qui sera le début d'un mois particulier sur ma chaîne, parce que je vais vous faire vivre l'Euro sur ma chaîne en postant beaucoup de vidéos et donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous dire mes attentes, je vais vous dire ce que je pense du match d'ouverture et voilà. Comme d'habitude, avant d'expliquer cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour mes attentes pour cette compétition, j'ai plusieurs attentes. Au niveau de l'équipe de France, je l'ai dit, je l'ai répété, je pense, mon but c'est vraiment qu'on gagne la compétition. Ça va pas être facile, mais oui, je serais déçue si on fait un autre résultat que gagner la compétition. Parce que c'est vrai qu'on est champion du monde, on a une revanche à prendre sur l'Euro 2016. Donc oui, j'ai envie qu'on gagne cette compétition. Donc mes attentes pour l'équipe de France, c'est qu'on aille au bout. Pour le reste de la compétition, j'attends plusieurs équipes, donc notamment l'Angleterre, il y a l'Allemagne aussi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, il y a le Danemark, je ferai peut-être une vidéo un peu en cours de compétition sur voilà tous les pays que j'attendais, mais j'ai une grande attente pour cette compétition parce que je pense que ça va être une compétition très compétitive, parce qu'il y a de très belles équipes ailleurs qu'en France. Il y a de petits pays, on va dire, qui ont une très bonne équipe, qui ont de très bons joueurs. Donc oui, j'ai hâte de voir ce que cette compétition va donner. Je pense qu'il va y avoir pas mal de compétitivité, ça va faire des beaux matchs. Dès les phases de poule, on va avoir de très très grosses rencontres et pas que dans le groupe de la France. L'Angleterre est dans le groupe de la Croatie, donc ça va faire un très gros match aussi d'entrée. Donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes pour cette compétition. Pour parler du match d'ouverture, Turquie-Italie, c'est vrai que c'est pas les deux équipes que je connais le mieux, donc j'en parlerai pas forcément très approfondie. Je ferai pas une analyse très approfondie de ce match-là, mais c'est le premier match de l'Euro, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de me plonger dans l'ambiance. Et puis ce qui me fait attendre ce match avec autant d'impatience, c'est le fait qu'on va retrouver des supporters dans les stades. Et ça fait plus d'un an et demi qu'on a des matchs à huis clos avec aucune ambiance. Donc oui, ça rajoute un truc en plus à cet Euro, parce qu'on va enfin avoir des supporters dans les stades. On va enfin pouvoir se remettre dans l'ambiance des matchs un peu comme avant le Covid. Donc même si ce match d'ouverture en soi, la Turquie et l'Italie, c'est pas les deux équipes que j'aime le plus regarder, c'est pas les deux équipes que je connais le mieux, ce match je vais le suivre avec beaucoup d'attention, parce que oui, on va enfin pouvoir se remettre dans une ambiance un peu de fête, et ça c'est quelque chose qui m'avait manqué. J'ai vécu la Coupe du Monde 2018, j'ai vécu l'Euro 2016, et c'est des ambiances magiques et j'ai hâte de retrouver cette ambiance là. Donc ça fait aussi partie de mes attentes. Mes attentes, c'est le retour des supporters dans le stade. C'est dommage qu'on ne jouera pas de match en France, mais je pense que ça va être quand même bien de voyager, d'aller dans d'autres pays, et donc oui, j'ai très hâte de cela aussi. Et puis comme match d'ouverture, Turquie-Italie, c'est vrai que c'est pas forcément le plus gros choc qu'on pourrait imaginer, mais c'est quand même deux équipes qui se sont améliorées pour la Turquie. La Turquie, c'est vrai que c'est devenu une vraie opposition, ça l'a toujours plus ou moins été, mais là c'est vrai qu'ils ont de très bons joueurs, certains joueurs qui jouent en Ligue 1 notamment. Et l'Italie, c'est leur retour dans une compétition officielle internationale. Donc j'ai hâte de voir ce que ces deux équipes vont faire, ce que va donner ce match-là, ce que va donner le résultat. Donc ça fait partie de mes attentes aussi. Ensuite, pour continuer cette vidéo, pourquoi j'attends cet Euro? Cet Euro, c'est vrai qu'il a une symbolique particulière pour moi. Tout d'abord, en termes purement footballistiques, c'est vrai que j'attends beaucoup de l'équipe de France, parce qu'on a toujours une revanche à prendre sur 2016, sur l'Euro que l'on a perdu à la maison. Donc j'ai beaucoup d'attentes sur cet Euro par rapport à ça, parce que j'espère qu'on va enfin se venger un peu de l'Euro 2016. C'est vrai qu'on va peut-être avoir l'occasion de le faire dès les phases de poule
en battant le Portugal. Donc ça va être encore un match compliqué, difficile à gagner. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse le faire. Ça serait vraiment incroyable et ça aurait vraiment une signification particulière pour moi en tout cas si on arrivait à battre les Portugais dès le match de poule. Donc voilà, et ça a aussi une symbolique parce que oui, c'est le retour du public dans les stades, même si ça sera à jauge réduite, c'est très important et j'espère que ça annoncera juste le début du retour définitif des supporters dans les stades, parce que c'est vrai que vivre encore une saison en club, une saison de matchs internationaux sans public, ça m'a un peu triste, donc j'espère que c'est juste le début le début du retour à la vie un peu d'avant, même si ça ne sera pas complètement comme avant. Et enfin, pour finir cette vidéo, je voulais juste expliquer un peu comment ça allait se passer sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne, j'ai vraiment voulu vivre l'Euro sur ma chaîne avec ceux qui regardent. Et donc pour l'Euro, j'ai prévu de faire une vidéo par jour. Je retourne à ce principe-là. Et donc après les matchs de l'équipe de France, il y aura un débrief le lendemain pour tous les matchs de l'équipe de France. Donc pour l'instant, les matchs de poule. Si on va plus loin, et j'espère qu'on ira plus loin, il y aura un débrief le lendemain de chaque match. J'ai aussi prévu des débriefs pour d'autres équipes comme l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, toutes les équipes qui m'intéressent un petit peu, j'ai prévu des débriefs sur cela aussi. Et avec ça, j'ai pas prévu que des vidéos débriefs, j'ai aussi prévu des vidéos un peu sur l'histoire de l'équipe de France. J'ai prévu des vidéos avec certains autres concepts qui sont un peu compliqués à expliquer comme ça en vidéo. Mais voilà, j'ai prévu vraiment plein de choses assez diversifiées pour vivre cet Euro 2020-2021 avec vous. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et voilà, pour cette vidéo je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut.